Depuis que tu prends nos genoux là, profitez de nos deux trois mots pour te les éclairs depuis ce matin. Allez, nous ne pouvons pas trop long parce que y a un peu là. Ok, nous connaissons pour ce matin, dans le jour qui vient. Parlez-nous de qui ça va partager avec la communauté haïtienne. Oui, nous pensons arriver ce matin juillet. Nous croyons que c'est le dimanche 10 juillet. Si je ne me trompe pas, et si mon Dieu nous la vie, et puis si rien n'a pas changé, de toutes les façons, nous avons ce matin pour nous rencontrer la communauté, pour nous faire une belle batte bouche avec les compatriotes. Est-ce que vous avez dit qui ça va parler avec la communauté? De Haïti. Nous connaissons que les gens doivent quitter Haïti, mais Haïti n'a jamais quitté. Donc nous parlons de l'insécurité, parce que c'est le plus gros problème qui est dans le pays. Nous parlons de crise politique. Qui est-ce qu'on fait pour nous sortir de la crise politique là? Et puis très franchement, et nous pourrons parler de tout ça qui concerne les Haïtiens, quel que soit côté où ils vivent et dans le monde entier. Vous ne parlez pas de en avant, nous connaissons un mouvement politique. Oui, nous ne pas parler de en avant, nous parlons de en avant, nous parlons d'objectifs en avant, nous parlons de bataille en avant, nous parlons de ça qui est dans Jacout, nous, et en avant, et comment nous, ouais, et gestion pays, les maillettes là tombent dans le monde, nous ne pas parler de ça. Donc, comme mouvement politique, est-ce que vous pensez, s'il y a bien élection, en avant, Paris pour participer? En avant, participer dans l'élection à tous les niveaux. Cependant, il faut qu'il y ait condition pour qu'en avant, il y ait l'élection. Il faut qu'il y ait sécurité, il faut qu'il y ait un bon CEP, il faut qu'il y ait un gouvernement qui n'a pas de force côté, il faut qu'il y ait une évaluation du système des malogues là. Donc, toutes conditions, il faut réunir pour nous capables d'aller dans l'élection, pas même baloter la loi électorale là pour nous regarder tout. Donc, mais une fois que les conditions sont réunies, nous-mêmes, nous parlons pour nous aller. Mais nous pouvons la journée aujourd'hui. C'est ça. Mais et ce matin, ce n'est pas la même réalité que Haïti. Il y a bien élection dans le jour qui vient là. Oui, élection législative. Oui, élection législative. Donc, il y a bien plusieurs candidats qui ont participé. Nous avons Daniel Gibbs, nous avons Claire Javois, nous avons Franz Gums. Il y a plusieurs autres candidats. Donc, est-ce que vous avez un mot d'ordre que vous avez passé à la communauté haïtienne sur ce qui concerne l'élection? Bon. Vous connaissez moins toujours critiquer les étrangers qui font les bouchons dans l'élection dans le pays. Non? Donc moi-même, je ne suis pas prêt à faire les bouchons dans l'élection qui a fait dans le pays étranger. Et seul bail que je dis dans toute notre société, là, et député Daniel Gibbs, c'est le même seul que je connais. Moi, j'ai rencontré l'élite député à l'Assemblée nationale française. Nous avons travaillé ensemble sur la mise en pied en bourse qui bénéficie 25 jeunes haïtiens chaque année. Il a montré que son monde qui a une communauté à cœur pour l'autre candidat, je ne suis pas vraiment familier avec eux. Et puis, j'aime toujours là. Je crois que l'élection qu'a faite en France ou bien dans le territoire d'outre-mer, c'est des bagages qui concernent les gens qui vivent dans le pays, les gens qui ont une capacité pour voter dans le pays. Nous avons suivi de loin parce que chaque bourreau est dans le tirage, c'est pas ça? Merci. Non, rappelez-nous encore qui date. C'est 10, dimanche 10 juillet. Cependant, je suis sûr à 200%. On nous été branché, moi et moi de tout le monde les éclairs, rete branché, suivez-moi sur les réseaux sociaux, tant de mots d'autres, m'a dit nous qui joue et qui boit que nous avons rencontré. Un peu de respect. Merci un peu.